What's up, gentlemen? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui, les amis. On est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète Terre. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous présenter une vidéo très importante. Mais juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que ce week-end, on est encore en train de tester les PC d'hacking. En fait, je vais vous montrer si au pire, si vous voulez, pour vous allez vraiment voir. En fait, on est en train de tester, comme vous voyez, mais il y a des petits problèmes. Donc, regardez ça, le piratage, il commence, ça prend du temps et tout. Sauf que, il n'y a pas de durabilité sur l'item, et on n'est pas capable de prendre les items encore pour l'instant. Donc, le temps que je fasse ça, comme vous voyez, regarde, le computer, il dépop comme ça des fois. Mais normalement, il est censé avoir 3 duras, donc c'est bizarre. Ça va être corrigé bientôt, et aussi, vous allez pouvoir prendre les items dans les coffres au fur et à mesure. Donc là, on est en train de tester là-dessus, sur ces coffres-là, sachant que le coffre en volcanite, il est indécryptable. Donc le coffre en volcanite qui est ici, donc celui-là il est impossible de le décrypter. Donc si vous avez, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais si vous avez ce coffre-là dans votre base, en plus d'avoir plus de slots, il vous permet d'être indécryptable. Donc faites attention les amis, parce que peu importe la sécurisation que vous allez mettre à vos coffres, dans la prochaine update, vous allez pouvoir vous faire hacker vos trucs. Aussi, je vais essayer de voir, mais là on est en train de travailler, ça c'est juste un fixe. Je suis en train de travailler sur la nouvelle update, donc j'ai déjà commencé à rajouter des idées et tout. Je voulais savoir si vous aviez des idées pour K-Faction, me les dire dans les commentaires. On est en train de travailler sur une grosse mise à jour. Donc il y aura un système d'habileté et tout qui va arriver aussi. Mais ça, c'est pas dans cette mise à jour-là. J'ai séparé la grosse mise à jour en deux, donc pour qu'il y en ait une à chaque semaine. Bref, vous allez comprendre quand ça va arriver. Mais je veux quand même des idées pour le futur, quoi. Donc si vous avez des petites idées, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Dites-moi pas le retour des gemmes, parce que je vais vous spoiler directement, mais il y a le retour des gemmes, mais pas des gemmes en fait. Ça va être des enchantements qui vont être obtenables dans une table d'enchant de volcanite, et ça va être des nouveaux enchantements comme tu vas pouvoir voler dans tes claims, des trucs comme ça, des enchantements du genre. Je veux pas vous spoil trop aujourd'hui, mais c'est une grosse mise à jour qui arrive pour K-Faction, et je suis très content de cette mise à jour là. Lorsqu'elle va être faite, je vais vous en parler, j'en fais une vidéo, on va payer les youtubeurs pour faire revenir du monde sur K-Faction, vu qu'en ce moment, bon, les coûts descendent. C'est pas plus grave que ça, parce que tu sais, c'est quand même notre première version avec SK, et il y a eu quand même des petits problèmes et tout. Mais bon, je parle trop, c'est même pas de vidéo pour ça à la base. Je voulais juste faire un intro pour vous dire que nous allions aujourd'hui défendre la base d'un abonné en fait. Donc je vais vous expliquer un peu le concept. Il y avait un joueur qui s'appelait Clemfield, c'est un joueur qui joue à quasiment toutes les versions de K-Faction, je le connais depuis vraiment longtemps. Et j'ai vu qu'il était en train de se faire piller quand je me suis téléporté aléatoirement. Et j'ai vu qu'il se faisait piller. Donc au début j'ai regardé le pillage et j'ai fait wow, ils sont vraiment bons, c'était easy cheat, easy peasy, des gens comme ça, ils étaient full volca et tout. Et je voyais qu'ils se faisaient enculer en fait, Clemfield et ses potes. Donc je me suis dit ok, je vais me prendre un full volca et je vais les aider à PVP vite fait, c'est juste pour m'amuser un peu vite fait. On en a pas, on a tué personne, n'inquiétez-vous pas, j'ai juste à la fin, j'ai donné mon stuff quoi aux gens qui étaient là. Et puis au final ouais, c'est tout, mais sinon inquiétez-vous pas, j'ai pas tué personne, on s'est juste amusé à PVP et tout. Si vous avez envie de voir ça, ben vous pouvez continuer à regarder la vidéo, c'était assez marrant. Les 8 premières minutes, il y a du commentaire et tout, et ensuite, c'est un avance rapide vu que c'était trop long, et ensuite j'ai back parce que je voulais pas que ça dure encore une heure, vous voyez. Donc voilà, en espérant que cela vous fait plaisir, si vous voulez nous rejoindre sur K-Faction, le lien est dans la description, et puis il y a un concours en ce moment sur Twitter pour gagner 250 € de points boutique, donc à vous de jouer mes amis. Oh là là les amis, j'ai pas le temps pour un intro, nous devons aider notre ami, il se fait péter la gueule, on va l'aider. Donc lui il est avec nous, faut péter les autres gars, ok les amis. C'est un abonné à moi, il se fait raid, il joue sur mes serveurs depuis méga longtemps. On va pas l'abandonner les amis, on est des personnes de type très généreuse et très aimable. Donc nous allons vite fait lui filer un coup de main, ok. Vous êtes prêts? On va aller en haut, il est juste là. Ah merde, ça va mal mon truc. En fait il s'est fait péter toute sa base comme vous voyez le pauvre. Le Icon il va essayer d'aller l'aider. C'est bon, donc faut péter lui. Allez, allez les amis, on est les best des best, on va les tuer. Allez, allez, allez. On fait ça pour la nation. Pour protéger nos abonnés de tous ces vilains garçons. Non! Tu crois que tu vas m'avoir, toi, mon petit? Non, tu vas pas m'avoir. Reviens ici tout de suite, petit bâtard. Reviens ici. Non, attaque pas mon ami. Ils sont où? Ils sont partis en haut.
Oh merde, je suis coincé, attends. Oh merde. C'est bon, on est là. Vas-y, tue-le. Tue-le, tue-le, allez, go! Il y a 10%, non! Il y a Thorn! Allez, mets-moi en haut, sapristi! On va prendre plus de heal, on va jeter ça par là. Prendre ça. Tu veux te fight ou tu veux aller? Ils sont repartis où là? Ah, il y avait pas ça. Ah, ok. Je voyais mal. Ok, eux sont gentils. Lui, il est parti où? On va prendre une pomme chill. Attends, je suis coincé là. Je vois pas de où il... Ah, il est là. Oh my god, les amis. Il y en a un qui est en train de piller. Il faudrait peut-être aller s'occuper du gars qui pille pour pas que le gars il fasse des tresses à base. Attends. Yo, le gars qui pille. Attends. Ok, lui, il va aller là-bas. Donc, on va aller ici. Oh, c'est compliqué cette base-là, gros. Easy cheat. Le gars, il est en haut là. Attends. Il est en train de faire péter sa base. Attends, attends. Non! Je vais mourir. Ah non, c'est bon. Yo, il y a Thorn! Qui joue avec Thorn? On est en 2019, les gars! Faut vraiment que je trouve une façon d'aller en dedans, là. Il essaie de faire péter des coffres. C'est justement ce que je veux l'empêcher de faire. Fuck, ma mission, les amis, elle va échouer, je crois. Une porte. Qui a besoin d'une porte? Personne. Par exemple, je prendrais bien des blocs. Hey, Cobble 64. Il est où le gars? Qui essaie de sortir par là. Ok. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant on a une ouverture vers lui. Ok, vous êtes prêts? Allez, je vais te soulever, mec. Je vais te soulever, mec. Joue pas ça avec moi, mec. Je suis pro des PVP, mec. Wallah, on m'appelle l'Insandstrom. Je sais pas c'est qui en fait. C'est un genre de Formule 1, non? Un truc comme ça. Attends, on va prendre une petite pomme comme ça. Parce que quand même, hein, on va donner quelques coups d'avantage. Parce que c'est pas juste, sinon, hein. Faudrait vraiment pas que tu meurs. Ça serait triste. Oh non, ils sont deux contre moi. Oh non, je suis pas capable de prendre un 2v1. Oh non, sapristi. J'ai trop mal. Oh non, sapristi, je vais mourir, mes chers amis. Oh non, hop là, je suis tombé. On va remonter. Viens, on veut un toi et moi. Oh là là, les amis, ça va pas comme prévu, hein. Non, il fait péter, faut pas qu'il fasse péter les creepers. Faut tuer les creepers, faut tuer les creepers. C'est bon. Tabarnak, c'est compliqué ce pillage-là. Moi, je voulais juste aider un abonné, et là, il y a tout le serveur, gros. Ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Y a-t-il quelqu'un qui est mort? Je pense que quelqu'un est mort. Je sais pas c'est qui. Vas-y, vas-y, on va l'attaquer. Allez, back. Back! Il est encore là, lui. Il me voit pas. Oh, j'ai jamais
vraiment fait de... Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'assaut de base ou de défense. C'est quand même cool, hein. Même si tu perds du stuff, parce que eux, ils vont perdre du stuff, bien sûr, les gens qui ont... Ça reste quand même amusant. Ce serait vraiment drôle que lui, il voit pas ses cœurs et qu'il meurt full volcan. Allez, va-t'en. Casse-toi. Ok, il reste quoi? Il reste lui. Oh, lui, il trappe! C'est pour ça qu'ils veulent le sortir de là, en fait. Ok, ok, faut tuer les creepers. Attends, attends. Faut tuer les creepers, ils vont essayer de... Ils vont essayer de le sortir. Mais il est coincé. Ok, parfait. Toi, tu dois le tuer. Il est où, le gars? Oh, il y a un creeper, là. Fuck. Oh my god, les gars. Oh non! Je déteste l'eau! Asti, tabarnak. Il y a plein de potions ici, il faut essayer de se récupérer des potions. C'est bon, des potions, potions. Oh, oh shit. J'ai récupéré des pommes d'or, je sais pas de où. Allez, allez, on est 3 contre lui, les gars. Venez, 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 on est 3 contre lui. Non, on est 2 contre 2 en fait. 3 contre 2 en fait. En fait, à la base, je voulais aider Clemfield vu qu'il était tout seul, mais là, il a TP plein de gens. C'est parti en cacahuète, les amis. L'autre, il est-tu mort? Ouais, l'autre, il est mort, je crois. Oh, il est suprême, il est full stuff, lui. Y'a-tu des stuff importants ici? Oh, what? Y'a des stuff quand même et tout. Ils n'ont pas tout perdu, ils n'ont pas encore tout perdu. Ils n'ont pas encore tout perdu, ils n'ont pas encore tout perdu. Mais ils ont presque tout perdu. Oh là là, ça va durer fucking longtemps, les amis. Je vous fais une avance rapide!
essayer de battre, les amis, ça devient trop compliqué ce combat et je veux pas tricher, donc faudra que j'attende que je sois plus en combat. Donc, ils s'en foutent de moi, donc ils se focus sur moi. Donc si je m'en vais, je crois que mes amis vont être corrects et ils vont se faire, ils vont arrêter de se faire focus. Donc je crois que ça va être bon. Hop là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Attendez, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de perles. Donc, ça devrait le faire. Let's go. Oh my god. Ok. Comment on pourrait faire ça ici? On va faire ça comme ça. Boum, 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 boum. Ça va sûrement pas marcher. Okay, on est plus en combat, on va attendre 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! On s'en fait barrer les amis. C'était tout un combat. On a aussi au moins réussi au moins à aider nos amis de la faction. Donc voilà mes amis de l'internet. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si celle-ci vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!